Ça fait maintenant à peu près 6 mois que nous sommes ensemble sur YouTube. Vous me faites vivre une aventure qui est assez incroyable, je vous l'avoue, et je vous remercie encore du fond du cœur pour les 2 semaines qu'on a passées ensemble. C'était incroyable. Je rappelle qu'on reprend le rythme de une vidéo par semaine, tous les vendredis à 18h. Et je vous le promets, c'est la dernière vidéo que je tourne à l'iPhone. Après, on passera à du matériel un petit peu plus pro, mais j'ai pas eu le temps de faire les tests cette semaine, je vous l'avoue. Et maintenant qu'on est un petit peu plus intime, qu'on se connaît un petit peu mieux, vous connaissez mon amour pour la Jordan 1 Low, je l'ai jamais caché. J'aime même en parler parce que j'ai l'impression un petit peu d'être seul de ce combat. Et je m'étais dit qu'en faire une vidéo dédiée, ça pouvait être toujours intéressant. Et puis au moins, je vais encore prouver mon amour à cette paire. On va aborder différents points dans cette vidéo qui sont tous intéressants. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout ce que je vais raconter, les petites différences, les petits points historiques, etc. On va commencer par le point historique qu'il faut savoir. Que cette paire est sortie en 1985 comme sa grande sœur, la Jordan 1 High. Alors elle a connu bien évidemment un succès qui était moindre, même si la Jordan 1 High se vendait pas non plus extrêmement cher. Je crois que c'était 85 $ ou 60 $, je sais plus exactement, mais c'était des prix tellement bas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait limite bizarre, mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais elle est également sortie dans ses coloris Chicago Bulls, donc avec le noir, blanc et rouge. Et bien évidemment les coloris qui étaient connus, les coloris métalliques. Alors je crois qu'il y a eu Metallic Silver, Blue et Red, si je dis pas de bêtises. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, c'est la première signature shoe low de monsieur Michael Jordan. Ça rajoute un petit peu de charme à ça parce que c'est pas une low qu'on voit actuellement dans les footlockers qu'ils ont inventé entre guillemets comme GR. Là, c'est une paire qui a vraiment été faite pour Michael Jordan. Alors, il a pas joué avec, j'ai trouvé aucune photo d'archive pour ça, mais je sais qu'elle a été faite en 85 et elle a le sigle rétro à l'intérieur. Et bien évidemment, vous vous demandez pourquoi j'aime autant cette paire. Alors, premièrement, je l'ai dit dans 2 ou 3 ou 4 vidéos, je ne sais plus, mais j'ai commencé ma collection de Jordan avec une Jordan 1 Low que mon père m'avait ramené lorsqu'il travaillait encore aux États-Unis. C'était une Fat Low, c'était avec la grosse languette qu'on connaît actuellement, mais c'était une Jordan 1 Low et moi j'avais du mal avec les High parce que je trouvais que ça ne m'allait pas trop pour être honnête. Et puis bien évidemment, elle avait d'autres aspects très positifs à cela. Déjà, le prix c'était moins cher. Elle reprenait les coloris mythiques que j'aimais voir sur les High, donc la Banette, la Chicago, la Shadow, la Royal. Ça reprenait tous les coloris dont j'étais fan sur la High et je pouvais me la prendre en low. Et du coup, pour moi, c'était une très bonne alternative en High. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à m'intéresser à la basket vers 2014-2015. Et en 2015, ils ont sorti les 3 coloris, le Shadow, le Banette Bread et la Royale. Et je vous avoue qu'en fait, bah, quand je les ai vues, elles étaient encore en promo. Il y en a 2 que j'ai pas payé, une que j'ai payé 60 et quelques euros sur Basket Tom. Donc pour moi, c'était vraiment le genre de paire qui était très très cool parce qu'en plus, je pouvais les mettre souvent. Ça me faisait une Jordan. Alors, c'est pas une Jordan qu'on voit tous les jours parce que beaucoup de personnes vont plus s'axer vers les mid, les fat low ou bien les high. Et bien évidemment, c'est normal. Mais voilà, j'étais très content d'avoir ces paires là. Je suis très content encore de les avoir. J'ai failli les vendre en plus une fois et je suis très heureux de pas l'avoir fait parce que j'aurais été très déçu aujourd'hui de plus les avoir. Et puis pour moi, c'est l'alternative parfaite pour les grands comme moi. Et avant, je m'habillais skinny, maintenant je m'habille un peu plus large, j'ai évolué dans mon style, mais à ce moment là c'était beaucoup plus facile de porter des basses avec des trucs skinny qu'avec des low, même si le pied fait très grand à 45 parce que les chaussures sont assez fines. Et donc tout cet amour là a été augmenté par l'aspect historique de tous les coloris qui ont été sortis, de comme ceux que je viens de vous présenter ou bien celle de la Chicago. Donc en fait, j'avais un modèle un petit peu miniature de la Jordan High et à un prix qui était beaucoup beaucoup moins cher, parce que comme je vous l'ai dit, 2 que j'ai eu en cadeau, et il me semble qu'elles étaient autour des 130 €, grand maximum 150, et celle que j'ai payé à 70 € sur Basket Temple, aujourd'hui les prix sont à 200. Et toutes ces paires étaient bien évidemment dead stock, je les ai prises neuves et il n'y avait pas de... Je regardais pas encore Vinted à cette époque-là. Et donc du coup, on va en profiter avec cette vidéo pour vous faire les petites différences entre les Jordan 1 Low qui sont sortis et bien évidemment entre la Jordan 1 et la Jordan High. On va commencer avec les 2 lots parce que comme ça, on va rester dans le sujet. Là, j'ai une paire de Jordan 1 Shatter Backboard. Je sais pas c'est lequel, c'est 2.0, je crois celui-là. Low. Alors par contre, il faut bien faire attention. Pour moi, ça c'est les Fat Low parce que c'était l'appellation qui a été donnée. Lorsqu'il y a une grosse languette, toutes les GR que vous voyez dans vos footlockers, vos snipes ou vos JD, c'est des Fat Low et ils le disent pas. Et ça, la Jordan 1 Chicago, c'est une rétro low, c'est tout à fait différent, et les différences, ça se voit directement par exemple avec le swoosh qui est beaucoup plus élargi sur la rétro low que sur la fat low. Si on peut continuer, on a la différence de Wings logo à l'arrière qui est mis par exemple sur la fat low au niveau du heel tap et un peu plus haut sur la rétro. Et la très très grosse différence, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est la languette. Sur la rétro, on a une languette qui est très très fine avec la reprise du Nike Air à l'avant, avec comme la languette de la high. En fait, c'est exactement la même, à la différence de la fat low
on a une grosse languette avec un Jumpman à l'avant. Alors là, c'est très différent. Et on a sur, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour tenir les lacets à l'avant, le numéro 23 qui n'est pas présent du tout sur la Retrolo. Et c'est là où les différences se font. Après, la paire est beaucoup plus grosse et on va dire plus, je dirais pas confortable, mais un peu plus matelassée, molletonnée. Je sais pas si ça se dit. Sur la Fatlo que sur la Retro. Et là, on a une paire qui est très, très, très fine. Après, au niveau des matériaux et de la qualité, ça dépend vraiment de la paire que vous achetez. Par exemple, sur les paires de 2015, la qualité, celle-ci est horrible, elle est vraiment pas bonne. À la différence d'une paire, ce n'est pas une GR, mais c'est une Fatlo, la Paris, qui est de très très bonne qualité avec un bon daim et un bon cuir. Donc voilà, le terme rétro n'est pas gage de qualité. Mais après l'avoir différencié avec une Lo, on va essayer de la différencier avec une High. Alors bien évidemment, le shape est vraiment différent, mais bon, il y a des petites différences qui sont faites. C'est pas vraiment une copie conforme de la High. On a déjà par exemple le swoosh qui est beaucoup plus gros sur la Retro Lo que sur la High. Alors ça, c'est une grosse différence, c'est ce que beaucoup n'aiment pas. Par exemple, sur cette paire, ça fait un gros gros swoosh. Le Wings logo qui est mis sur le côté sur la High et à l'arrière sur la Low. Mais après, la grosse différence, c'est au niveau du shape global. Mais voilà, je voulais quand même faire les petites différences sur la High et la Low parce que je trouvais ça intéressant, étant donné que ce sont toutes les deux des rétros. Alors j'en ai parlé juste avant, il y a certaines paires de Low qui sont très très peu qualitatives. Par contre, sur les collabs, croyez-moi que les Jordan 1 Low sont très quali. J'en ai deux, j'ai la Travis et la Midnight Navy. Je vais pas en parler plus que ça parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos et je vous les mets comme d'habitude en description et je vais essayer de les mettre dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Mais voilà, ça c'est un très gros point fort, je trouve, des Jordan 1 Low, c'est qu'il y a des collabs et des coloris exclusifs qui sont très très cool. Alors celui-là, ils l'ont refait en High, mais je trouve qu'elle est très quali. Là, bon, j'en parle même plus. Et maintenant, je vais vous parler de Jordan 1 Low que j'ai envie d'avoir. Alors, c'est pas non plus, j'ai pas envie d'avoir toutes les lots qui sont sortis. De toute façon, c'est impossible, malheureusement. Mais il y a certaines paires, il y en a 5 que j'aimerais avoir durant cette année 2021 ou les années suivantes. J'espère les avoir à un prix assez normal et peut-être même retail pour certaines. J'en ai parlé au tout début de la vidéo avec une réédition de la paire de 85. En 2021, il est censé sortir la Jordan 1 Low Retro Silver. J'espère qu'elle sortira. Coloris très simple, mais très efficace, mais historique, et vous savez mon amour pour les paires historiques. Ensuite, avec une paire qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est très ressemblante à la Jordan 1 Low Baned ou Bred, vous l'appelez comme vous le souhaitez, la Chinese New Year. Et d'ailleurs, c'est Clockers qu'on a fait l'unboxing. Elle cote actuellement vers les 400-500 euros à ma taille. Ça fait un petit peu cher, mais je trouve que elle est incroyable. C'est presque même une paire qu'on ne peut pas porter, qu'on met uniquement sur nos étagères et tout, parce que je la trouve vraiment très très belle. Après, je trouve que le prix est très cher. J'aurais peut-être dû la prendre lorsqu'elle était un petit peu moins chère. Je me suis fait avoir, mais voilà. C'est une paire que je trouve excessivement belle, même si j'enlèverais le truc du rideau. Là, je suis pas très fan. Bien évidemment, on aimerait tous avoir la Dior. Alors, je suis pas très fan de la collab Dior-Jordan, mis à part le fait que j'ai envie de voir la qualité de la paire. J'ai jamais pu la toucher, jamais pu la voir en vrai. Et bien évidemment, si on peut mettre la main dessus, on va pas dire non. Mais voilà, c'est une paire qui attire, effectivement, par sa cote, par la collab avec le luxe, etc. Mais voilà, je trouve que c'est une paire qui est très, très belle. La couleur est très belle, en fait, de la paire, donc c'est pour ça qu'elle est cool. Bien évidemment, j'en ai parlé dans ma wishlist en 2021, mais il y a possiblement la Shatter Backboard et la prochaine Travis qui va sortir. Alors, apparemment, la Travis sera en collab avec Fragment, donc autant vous dire que la paire va être impossible à avoir, tout le monde va se ruer dessus. La Fragment de la Jordan 1, c'est des prix exorbitants aujourd'hui, mais voilà, on va essayer de l'avoir. Et la dernière paire que j'aimerais avoir, c'est celle qui est la moins chère, c'est la Jordan 1 SB Lens Mountain Desert Or. Franchement, c'est une paire qui est très très cool. En plus, c'est un petit délire avec le custom et je la trouve très très sympa. Elle est pas si chère que ça, elle avoisine 300 euros. Alors, quand je dis pas si cher, c'est par rapport au prix resell actuel. 300 euros, ça reste un prix qui est assez cher, je vous l'avoue, mais par rapport au prix actuel et par exemple à des Jordan 1, le prix est assez entre guillemets bas. Voilà, faut pas faire les amalgames. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tout mon amour pour les lots, pourquoi je les aime, je vous ai expliqué les différences et les paires que j'aimerais avoir pour plus tard. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que bah souvent les paires sont très peu quali. Alors sur les collabs qui nous font les choses exclusives, elles sont assez qualitatives, mais en dehors de ça, moi les trois paires que j'ai, je suis pas très fan de la qualité. C'est pour ça que je les mets souvent quand il pleut et ça devient mes beaters, et les high, je les mets un peu moins souvent. Et malheureusement, il y a assez peu de releases sur ces paires, et maintenant avec la hype autour de la Jordan 1 plus Travis qui a fait une collab avec les lots, la cote a effectivement monté et c'est un petit peu plus difficile de les avoir. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous kiffez ou pas la Jordan 1 Low. Allez-y, hein, n'hésitez pas à si vous aimez pas, vous aimez pas, hein, vous avez le droit de vous exprimer. N'hésitez surtout pas, ça pourrait être très cool d'en débattre, et peut-être même qu'il y a des coloris que vous kiffez mais vous aimez pas forcément le shape, et c'est compréhensible. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir tous les vendredis à 18h, je le rappelle bien, comme ça tout le monde est au courant. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, j'espère avec ma copine, parce qu'en plus ça vous avait plu. À bientôt et merci encore. Ciao.